السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء المستوى الثالث ابتدائي، مرحبا بكم. Bonjour mes chers élèves, bienvenue. On va faire la correction du devoir. Par exemple, je transforme en phrase interrogative de trois façons différentes. On a ici une phrase déclarative. Elle prépare une bonne soupe. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement transformer cette phrase déclarative en phrase interrogative, mais de trois façons différentes. La première, c'est facile. Il suffit tout simplement de mettre à la fin le point d'interrogation. Elle prépare une bonne soupe de cette façon. Voilà. N'oublie pas point d'interrogation à la fin. C'est ça la bonne réponse. C'est la première. Elle prépare une bonne soupe. Alors, la deuxième façon, c'est est-ce que. On doit mettre est-ce que. N'oublie pas un tiret entre les deux. D'accord? Est-ce que. Est-ce que. Normalement, on doit mettre un apostrophe. Est-ce qu'elle prépare une bonne soupe? Voilà. C'est la bonne réponse. C'est la deuxième façon. C'est la deuxième façon de transformation. Et à la fin, qu'est-ce qu'on met l'inversé dessus? Ah, c'est un peu difficile. Alors, on dit il prépare, prépare-t-elle, hein? Prépare-t-elle? Prépare-t-elle une bonne soupe? Voilà la bonne réponse. Voilà la bonne réponse. Prépare-t-elle une bonne soupe? Prépare-t-elle une bonne soupe? Voilà. Alors, on dit au début, elle prépare une bonne soupe. La deuxième. Est-ce qu'elle prépare une bonne soupe? Et la troisième, la version du sujet, prépare-t-elle une bonne soupe? Alors, laisse tomber tous ces exemples. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Voilà. On dit, vous cueillez des fruits frais. Tout d'abord, on doit mettre un point d'interrogation à la fin. Vous cueillez. Vous cueillez des fruits frais. Des fruits frais. Des fruits frais. Vous cueillez des fruits frais. Voilà, c'est ça. Vous cueillez des fruits frais. Deuxième façon avec est-ce que. Est-ce que vous cueillez? Est-ce que vous cueillez? Est-ce que vous cueillez des fruits frais? Des fruits frais. Voilà, comme ça. C'est-à-dire, je dois mettre au début est-ce que. Et je garde toujours la place des mots. Vous cueillez des fruits frais. Je garde toujours la place des mots. Mais j'ajoute au début, est-ce que. Est-ce que vous cueillez des fruits frais? Hein? Vous avez compris? Voilà. Et maintenant, l'inverse du sujet. C'est un peu difficile. Mais non, c'est vraiment facile. Tu changes la place du verbe avec son sujet. Ça veut dire, au lieu de mettre vous cueillez, qu'est-ce qu'on dit? Cueillez. 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 Voilà. Cueillez-vous. Cueillez-vous des fruits frais. Voilà. Alors, répète avec moi. Vous cueillez des fruits frais. C'est quoi? C'est quel type de phrase? Quel est donc le type de cette phrase? Oui, c'est la phrase déclarative. Vous cueillez des fruits frais. Alors, cette phrase déclarative, il y a trois façons de transformer en phrase interrogative. Soit avec l'intonation, vous cueillez des fruits frais, comme ça. Soit avec est-ce que vous cueillez des fruits frais,
soit avec l'inverse du sujet. Cueillez-vous des fruits frais? Alors, la même chose ici, tu attends l'arrivée du train. Alors, on dit tu attends, comme ça. L'arrivée du train. Tu attends l'arrivée du train. Est-ce que tu attends l'arrivée du train? Est-ce que tu attends? Est-ce que tu attends? Arrivée du train. Est-ce que tu attends l'arrivée du train? Et l'inverse du sujet, on commence par le verbe. Attends-tu? N'oublie pas le train. Oui, un trait, un trait. Attends-tu l'arrivée? Du train. Attends-tu l'arrivée du train? C'est ça la différence. Tu attends l'arrivée du train. Est-ce que tu attends l'arrivée du train? Attends-tu l'arrivée du train? Continuons avec les disjoncts. On dit il dit nous. C'est ça l'intonation du sujet. On dit il dit nous. Il dit nous un tablier de cuisine. Il dit nous un tablier de cuisine. Est-ce qu'il dit nous? Est-ce qu'il hein, n'oublie pas le train. Voilà, écrivez ça de toute façon. Est-ce qu'il dit nous? Hein? Un palier de cuisine. Voilà. Avec point d'interrogation. Est-ce qu'il dit nous un tablier de cuisine? Maintenant, l'inverse du sujet. On commence par le verbe. Dis-nous. Dis-nous, n'oublie pas de mettre T pour ne pas avoir rencontre de double. Dis-nous-t-il. Dis-nous-t-il un tablier de cuisine? Voilà. Voilà. Ah, voilà. Voilà. Alors, je répète. Vous cueillez des fruits frais. C'est une phrase déclarative. Tu attends l'arrivée du train. C'est la phrase interrogative. Il dit nous un tablier de cuisine. C'est une phrase déclarative. Parce qu'il commence par une pauvre virgule. Par une majuscule, se termine par alors, pour transformer en phrase interrogative, de trois façons, on a ceci. On a l'intonation de l'intonation. Vous cueillez des fruits frais. Tu attends l'arrivée du train. Et nous, un tablier de cuisine. Avec est-ce que. Est-ce que vous cueillez des fruits frais? Est-ce que tu attends l'arrivée du train? Est-ce qu'il dit nous un tablier de cuisine? Avec l'inverse du sujet. Cueillez-vous des fruits frais? Attends-tu l'arrivée du train? Dis nous est-il un tablier de cuisine? C'est ça la bonne réponse. On passe à autre chose. Alors, deuxième activité, c'est vraiment simple de conjugaison. Je conjugue les verbes avec nous, puis indique s'ils appartiennent au deuxième ou à troisième groupe. Ah, ça veut dire tout simplement que ça n'existe pas le premier groupe. Le premier groupe se termine par ER, on a déjà vu ça. Bon, fini. C'est quoi? Deuxième groupe, c'est bien. C'est très bien. Deuxième groupe. Agir, c'est la même chose. Deuxième groupe. Ah bon, on met tout simplement DGR. Ça veut dire groupe. D'accord, groupe. Groupe. Ah, c'est la même chose. Groupe. Deuxième groupe.
Bondir. Deuxième groupe. C'est très bien, vous participez bien, mes chers élèves. Oui, troisième. Pâtir. Deuxième groupe. Oh. Et beaucoup de verbes du deuxième groupe. C'est un groupe sans des verbes irréguliers. De verbes réguliers, oui. Dormir. Troisième groupe. Ah bon, dormir, c'est troisième groupe. Blanchir, revenons, deuxième groupe. Salir, deuxième groupe. Réfléchir, deuxième groupe. Venir, troisième groupe. Sortir, troisième groupe. Voilà, c'est bien. Alors, je comprends que finir, agir, bondir, bâtir, blanchir, salir, réfléchir, tous ces verbes, c'est le deuxième groupe. Finir, agir, bondir, bâtir, blanchir, salir, réfléchir. Sortir, venir et dormir. Non, c'est deuxième groupe. Dormir, c'est deuxième groupe. Troisième groupe. Non, dormir, troisième groupe. Venir, troisième groupe et sortir, troisième groupe. Bon, on conjugue avec nous. Qu'est-ce qu'on dit pour nous? On dit finissant. Voilà. On dit créer ici, finissant. Nous finissons. Agir, agissant. Bondir, bondissant. Toujours avec issant. Bâtir, bâtissant. Dormir, dormant. Ah, regarde la différence. Voilà. On n'est pas dormissant, on est dormant. Parce que c'est le troisième groupe. Blanchissant. Salissant. Réfléchissant. Venir, non, on dit venant. Sortir, sortant. C'est ça la bonne réponse. Sortant, venant, réfléchissant, salissant, blanchissant, dormant, bâtissant, bondissant, agissant, finissant. Alors, finissant, c'est le verbe du deuxième groupe. Finir, deuxième groupe. Agir, deuxième groupe. Bondir, deuxième groupe. Bâtir, deuxième groupe. Dormir, troisième groupe. Blanchir, deuxième groupe. Salir, deuxième groupe. Réfléchir, deuxième groupe. Venir et sortir, troisième groupe. Conjugaison. Nous finissons, nous agissons, nous bondissons, nous bâtissons, nous dormons. C'est le troisième groupe. Nous blanchissons, nous salissons, nous réfléchissons, nous venons. Troisième groupe. Nous sortons. Troisième groupe. D'accord? Alors, corrigez vos fautes et au revoir.